En vérité, je vais vous dire. Je sais pas ce que je voulais. En fait, je vous explique. Là, ça fait un jour et demi. Un jour. Je sais pas. Que je suis grave saoulée. En fait, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis grave saoulée. Mais là, c'est hier que... Là, c'était trop. J'ai pas dormi pendant 24 heures. Enfin, bref, il y a eu un truc. Et en plus, mes miroirs qui sont cassés. Je crois que ce sont mes miroirs qui se sont cassés qui ont déclenché le... Ras-le-bol, genre le j'en ai marre, là c'est trop. Bon, pour mettre les choses au clair et vous expliquer pourquoi je fais une vidéo comme ça là qui va pas durer longtemps parce que là je m'en fous, genre c'est juste pour déballer mon sac et après j'irai mieux, tu vois. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Je me remets tout le temps, non je me remets très souvent en question, on va se mentir, et dès que je vois qu'il y a un truc qui cloche ou que je suis pas bien ou que ceci ou que cela, je me pose, je prends un jour où je fais rien. Quand je vous dis je fais rien, je sais je fais rien et je me pose. Je prends du temps pour moi, je réfléchis au pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui fait que je vais mal, etc. etc. Du coup, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'en ai marre d'être moi, tout simplement. Et dans la lance. Non, en fait, je m'en fous. On va les nombrer. Fatigue. Pourquoi je fais ça? Allez hop, je fais vite. Je vais vous numérer ce qui est super chiant chez moi et je pense que dans la vidéo, vous saurez aussi pourquoi je n'ai pas de mec. Parce que je pense que même moi, je suis un peu dans. J'en ai marre de me supporter, tu vois. Numéro 1, je suis chiante. Numéro 2, je suis chiante. Numéro 3, je suis chiante. Je veux toujours avoir raison. Les autres, je m'en bats un peu la couille de leur avis. C'est toujours moi, moi, moi et moi. Ça veut dire que si moi, je vais pas bien, personne ne va bien, d'accord? Si moi, je vais pas bien, toi, tu peux pas aller bien, d'accord? Parce que c'est comme ça la vie. J'aime trop conseiller les gens, mais pas conseiller, tu vois. Genre conseiller, c'est-à-dire que je te conseille et si tu le fais pas, je te reconseille. L'air de dire, regarde, tu vois. Non, j'aime trop avoir raison. Mais après ça m'arrive tout le temps parce que j'ai toujours raison, tu vois. Mais en gros, tu sais quand les gens, tu leur dis quelque chose, ils veulent pas t'écouter, ils reviennent et ils te disent ouais, t'avais raison. J'aime trop. Bref, j'aime trop de ouf, je procrastine de ouf, je renvoie tout au lendemain, mais dans mon cas, dites-vous que ces étagères-là, je les ai achetées en décembre 2018. Et qu'elles étaient là depuis décembre 2018, je les ai mises seulement il y a 3 semaines, même pas 2. Je parle trop, je parle beaucoup de ouf, c'est chiant. Je suis hyperactive, hein, je crois. Non, en fait, je suis pas... Genre c'est pas... voilà, mais j'aime bien bouger, j'aime bien... En fait, je suis bizarre parce que il y a des fois où j'aime trop bouger. Genre, pas bouger, sortir. Mais dans ma maison, je peux faire plein de trucs et tout. Regarder la télé, en même temps, je fais du... Je danse, après, je monte, je dors. Enfin, je suis grave bizarre. Il faut... Enfin, pour me suivre, c'est compliqué. Il y a des fois où j'aime bien être entourée. Il y a des fois où je déteste être entourée. C'est-à-dire que je peux être avec mes potes. Et d'un coup, boum, j'ai pas envie. J'ai plus envie d'être avec eux. Je me taille. J'ai plus envie. Je veux juste être seule, moi, toute seule. Du coup, c'est grave. Enfin, en vrai, quand j'y pense, je comprends mieux pourquoi je suis célibataire. Parce qu'en vrai, supporter une meuf qui est insupportable, qui te fait chier tout le temps, qui te demande. En vrai, c'est grave bizarre parce que des fois, je demande à ce que mon copain soit avec moi. Et des fois, hey, t'es là ou t'es pas là, frère. Je t'aime pas. Casse-toi. Je t'aime pas. Genre, j'ai pas envie. C'est pas que je l'aime pas, mais il y a des moments où j'aime bien être seule. C'est tout, en fait. J'aime bien être seule. Il faut savoir être seule dans la vie. Si tu sais pas être seule, c'est qu'il y a un problème. En vrai, les gens qui sont jamais seuls, franchement, vous, je vous plains, enfin, je sais pas comment vous faites. Je suis pourri gâtée, on va dire. Enfin, je suis pas pourri gâtée parce que c'est faux, mais le fait que je l'ai été par le passé fait que maintenant, si je veux quelque chose, je vais l'avoir. Ouais. Non, mais non. Si je veux quelque chose, je l'aurai. Je l'aurai, c'est tout. Pourquoi on s'attarde sur ce sujet? Je l'aurai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis ennuyante. Non, en fait, je suis... À force d'être hyperactive, je suis ennuyante. Non, ça veut rien dire. Non. Ouais. J'aime trop voyager, mais en même temps, en fait, j'aime bien voyager pour aller loin. Mais sinon, je suis casanière. Genre, j'aime pas sortir. J'aime pas les gens. Ouais, en vérité, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Vous m'énervez, vous me gassez, vous me saoulez. Oh, j'aime pas qu'on me pose des questions. Oh, c'est un truc que je sais. Oh, ça m'insupporte. Les gens qui veulent parler, alors, je veux pas parler avec eux. Genre, vous, pourquoi? Fermez vos gueules, restez de ton côté, frère. On t'a rien demandé. Les gens qui. Vous savez, les gens dans la rue, là. Les gens dans la rue qui. Eh hey, vous, vous êtes les pires. Je sais que j'allais en enfer, je m'en bats les couilles. Vous, vous êtes les pires. Un jour, j'étais là, tranquille au bilou, je devais aller donner des cours de danse pour des petits. Et il y a une dame, j'étais à l'arrêt de bus, tu vois, parce qu'il n'avait pas le permis, parce que derrière, j'étais à l'arrêt de bus. Et la meuf, tu sais quoi, elle vient vers moi, elle dit oui, bonjour, tu es l'enfant de Dieu. Non, vraiment, je sens que toi, t'es quelqu'un de bien. Je sais que je suis quelqu'un de bien, ok? T'as pas besoin de me le dire. T'as pas besoin de me le dire. Ne viens pas me dire que je suis quelqu'un de bien, je sais, ok? Je suis un enfant béni, je le sais. Va, pars. Vraiment. En fait, je suis quelqu'un. J'ai beaucoup d'amour à donner, mais j'aime pas recevoir l'amour des gens. Ça me hante. Oh. En fait, je suis grave bizarre en vrai quand j'y pense. Des fois, je. En vrai, vous voulez savoir le vrai truc? En fait, c'est pas que je trouve pas de mec, c'est que je veux pas de mec.
Des fois, il y en a qui viennent me parler et ils sont bien, tu vois. Mais non, il y a un truc qui manque, je sais pas. Ils sont pas à la hauteur, je pense, un truc comme ça. Ouais. Non. Je suis bizarre, les gars. En fait, il faut savoir tout faire avec moi. Si tu sais pas faire tout, c'est que t'es pas pour moi. Ouais, tu veux pas réussir à me supporter. Parce que je peux très bien, à midi, avoir faim. Et à 13h, j'ai plus faim. Et à 14h, je veux sortir. À 15h, je veux plus sortir, je veux rester là. À 16h, je vais t'engueuler parce que. En vrai, des fois, j'embrouille les gens, mais je sais même pas pourquoi. Tellement que j'ai juste envie d'embrouiller les gens. Du coup, voilà, je vais t'embrouiller parce que. Bah, parce que je vais t'embrouiller. Tu vas être là en mode. Et en fait, moi, genre, vas-y, vers 1h du matin, je vais culpabiliser parce que je me suis énervée pour rien. Et je vais revenir vers toi. Pas pour m'excuser, parce que moi, je m'excuse jamais. Mais en gros, je vais revenir vers toi pour m'excuser, mais genre, avec des actes, tu vois, parce que moi, les excuses, d'ailleurs. Je vais venir te faire un petit câlin en mode. T'as vu, je suis là, un connard. Mais voilà, je suis insupportable. Vraiment. Je suis toujours en retard. Toujours. J'essaie de pas être en retard, mais c'est compliqué. Je suis acheteuse compulsive. J'aime bien acheter, mais voilà, je suis capricieuse aussi. Ah, je suis très capricieuse. Genre, en gros, dites-vous, quand je veux quelque chose, je l'ai. Mais quand je l'ai, je veux plus. Mais si tu me le prends, je le veux. Je suis un enfant, en fait. Ouais, je suis un enfant. J'aime trop qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est bizarre parce que j'aime pas qu'on s'occupe de moi, mais j'aime bien qu'on s'occupe de moi. Quand je dis non, ça veut dire oui, en fait. Ah non, ça dépend des situations. Imaginons que je dis à un mec que je veux plus lui parler. Tu vois? Il y a des. Non, en fait, il faut qu'il me parle encore. Voilà, si je dis non, imagine que je dis non, tu vas pas chez moi, bah tu vas venir chez moi. Ah oui, bah oui, parce que si tu vas pas chez moi, après moi je veux vraiment me dire que tu voulais pas venir chez moi, donc c'est-à-dire que tu m'aimes pas. Donc, non, non. Si je te dis que je te parle plus, tu dois vouloir me parler. C'est logique. D'accord. Donc, non, je suis une malade mentale. Ouais. J'aime bien harceler les gens. J'aime grave harceler les gens. Moi, je suis une harceleuse. Ouais. Putain, je suis perdue là. 1h du matin, qu'est-ce que je fous? Bon, bah, je crois que c'était tout, hein. Ah, je sais pas. J'aime trop dormir. Je vous cache pas, j'ai envie de dormir. En fait, je suis hyper active, mais je dors souvent. Je dors beaucoup, vous savez que je dors à peu près 12 ou 13 heures. C'est un truc de ouf. Wesh. J'ai une vie grave compliquée quand j'y pense. Vraiment. Oh là là. Oh là là. Est-ce que je peux me lever là et danser ou pas? Esta noche mira cuerpo interrogante.